Diokwe, siège de la délégation régionale du Conseil Café Cacao, dernière étape de la mise à niveau des agents chargés d'investir le terrain. Vous avez pour rôle, d'abord, de présenter le système de traçabilité à chaque société coopérative. Une fois que cela est fait, la deuxième action sera de présenter les outils ou les nouveaux instruments du système de traçabilité aux sociétés coopératives. Et enfin, comment utiliser ces nouveaux outils-là pour commercer au niveau des sociétés coopératives. L'enjeu, c'est d'expliquer la traçabilité, former les producteurs et les sociétés coopératives à l'utilisation des nouveaux outils, à savoir les terminaux d'achat des délégués, les scellés et les applications informatiques. La première fonctionnalité de la carte que nous leur présentons, c'est d'abord d'être une carte professionnelle, d'une carte qui va servir à commercialiser à la fois le cacao et à recevoir de l'argent. Ensuite, leur permet de dire que la carte est le premier instrument ou le premier outil qui va déclencher la traçabilité. 100 sociétés coopératives ayant au moins 200 membres disposant de leur carte de producteur sont sélectionnées sur toute l'étendue de la zone de production, découpée en 13 délégations régionales. Nous avons aussi conçu et testé le système qui permet d'enregistrer les transactions au bord champ. Derrière ce dispositif, on a un système de back-office qui permet à la coopérative de pouvoir donc gérer les entrées et les sorties, que ce soit des flux financiers que les flux physiques de cacao et de café. On doit déployer ce système-là pour l'ensemble des 2000 coopératives qui opèrent au bord champ. À Bonon, une trentaine de kilomètres de Boisflé, la société coopérative Lang. Depuis le bord champ, déjà, il sait déjà combien de stocks qui se trouvent dans tel magasin ou tel magasin. Donc, déjà, si on a un stock conséquent, on peut déjà faire des demandes de stocks afin qu'on fasse un chargement au niveau du magasin central. Avant, on donne l'argent à les délégués. Il y a l'autre qui peut partir à ça, continuer à partir, disparaître à ça. Bon, il dit, il y a le système qui a venu. Et puis, il ne peut pas partir avec ton l'argent. Le système national de traçabilité est basé essentiellement sur l'utilisation de la carte du producteur qui sera obligatoire à partir d'octobre 2024 pour toute opération d'achat-vente de café et de cacao bord champ. Wilfried Kofi est chargé de cette opération dans la zone de Zoukoubeu, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est avec ça que tu as retiré ton argent quand tu as vendu ton cacao. Donc si tu me donnes un numéro du passoir, même si tu as la carte, ça ne va pas te servir. C'est pourquoi je veux être sûr que tu vas retirer le numéro. Est-ce que tu vas retirer? Près d'un million de producteurs ont été identifiés. Plus de 3 millions d'hectares de parcelles de café cacao ont été géolocalisés. La distribution des cartes se poursuit donc et est couplée avec le recensement des producteurs retardataires et la géolocalisation de leurs parcelles. Wilfried Kofi se rend dans le village voisin pour géolocaliser la parcelle de Raphaël Belli qu'il a recensé un peu plus tôt. On est arrivé où il y a piqué ? Ah, nous sommes au piqué. Oui, monsieur. 2 hectares, 10 mètres carrés. Oui, qu'on a enregistré. Oui, oui. C'est la superficie du champ. Merci à vous. Donc, ce champ est validé. D'accord. C'est bon, on a fini. À ce jour, plus de 46 000 producteurs ont été recensés, portant le nombre total de producteurs de café cacao à 1 040 000. Ils disposeront tous de leur carte de producteur avant la fin du premier semestre 2024. Ces cartes seront indispensables avec l'entrée en vigueur effective du système national de traçabilité du café et du cacao.